toutes les communes. Bienvenido a España, el tiempo mielde. Sinon, à part ça, ravi de vous retrouver sur ce très grand lac espagnol. Et quoi de mieux pour démarrer que deux magnifiques sujets. Vraiment très content. C'est pas la première fois qu'on vient. La première fois, on s'était vraiment éclaté. Alors on a décidé de partager avec vous cette expérience. C'est un très grand lac espagnol bien connu. Et on va essayer d'enchaîner quelques poissons. Et pourquoi pas faire tomber un gros poisson de ce lac, qui en abrite quand même quelques-unes. Les copines. On regarde bien les parabules dorsales. Ça y est, enfin en vacances en Espagne. On est descendu au sud de l'Espagne, en Extrémadure, pour pêcher à la carpe sur un endroit qui nous avait vraiment bien plu il y a 2 ans. Donc ce qui est bien, c'est qu'ici on peut pêcher la carpe et un peu aussi s'amuser au carnassier en même temps. On est sur un grand lac espagnol du coup qui fait à peu près 5000 hectares, donc très, très allongé, très en long, bien découpé en plein en micro-baies, enfin micro-baies qui font quand même 10 hectares à chaque fois ou 15 ou plus même. Et donc ça fait comme des petits lacs dans un grand lac en fait. Donc c'est ça qui est pas hyper compliqué, mais faut une fois que les poissons sont trouvés, on a facilité à les faire quoi. On va changer les montages, on va rajouter les bouboules pour passer au-dessus des petits buissons qu'il y a, des restes de racines, je sais pas trop ce qu'il y a sur le plateau, pour pas accrocher de poissons dedans. On en a perdu une tout à l'heure, du coup on s'adapte de suite pour pas en perdre d'autres.
Là pour l'instant, ouais, plus graines que bouillettes. Ouais, Tiger Nuts. On a essayé un peu les deux, mais pour l'instant, on a fait les touches à la Tiger Nut. Donc pour l'instant, on se focalise dessus. On se focalise là-dessus parce que surtout que la pêche se durcifie un petit peu. On va pas tenter de nouvelles choses et on va rester sur ce qui marche et ce qu'on sait que ça marche. Dès qu'on a essayé à la bouillette, même il y a 2 ans, c'était de suite des plus gros sujets. Ouais, maintenant, on est plus là pour passer des bonnes vacances et faire du poisson. Donc, Et si sur les prochains postes, on a la chance de faire beaucoup de poissons, peut-être qu'on passera plusieurs cannes à la bouillette pour essayer de faire du coup des plus gros sujets. Ouais, ça c'est sûr. Que rester à la graine et faire beaucoup de petits poissons, quoi. Maintenant, slalom. Si. À droite. On n'a pas une canne pour accrocher de l'autre côté. Ouais. C'est bon, direct. Elle est juste là. C'est un poisson. Pas très gros, mais elle est là. Je monte à gauche. Pas si petite. Ouais, elle est belle. Si petite, pas si petite. Dès qu'on a l'occasion, on la chute. On y va. Sacré locomotive. On va peut-être avoir un créneau. Bien lourd. T'as le manche et tout. Oups, ça passe. C'est ça? Ouais. Comme ça, je sais pas combien elle est d'ouvert, tu vois? Ouais, ouais, c'est juste. Oui, ça marche. Non. J'aime pas les épuisettes, hein? Vas-y, vas-y. C'est bon, ça colle, ça colle. Yes! Yes, yes, yes! Ça, c'est bon. Ok, attends. Non, il n'y avait pas ici, ça là. On connaissait déjà le spot où on est arrivé. Donc pendant les premières 24 heures, ça a pêché plutôt bien. On a réussi à prendre quelques poissons d'entrée. Fais comme tu peux, Lolo, mais moi je le sens. Je sens la couille. Je sens Adios Bambinos. Ouais. Et après ça, bien plus compliqué car en fait c'est un jour férié. Ouais, ici. On a été surpris par toute cette arrivée de carpistes espagnols et en fait on tombe sur une semaine fériée. Donc grosse affluence de pêcheurs, beaucoup de pression.
Et puis depuis ça, on... Les poissons ont bougé, quoi. Les poissons ont bougé, plus du tout de touche. Donc on prévoit sûrement, enfin rapidement de se déplacer sur de le lac. Se déplacer sur le lac et puis d'aller trouver une nouvelle zone avec du poisson. Du poisson et si possible un peu moins de peuple autour de nous. Allez, on change de place. On va essayer de retrouver les poissons qui ont bougé. Qu'est-ce qu'on fait ? On va se diriger vers le bas du lac. Parce que le haut du lac, pas de poisson, pas d'eau. Donc on a déjà fait une heure de bateau pour venir jusqu'ici. Maintenant on va tout ranger dans les camions. Merci Juju. Hein. Ah si j'y vais de merde, vous pourrez les laisser à la maison. On va tenter un truc. C'est bon. On a encore le temps. On va s'installer sur un nouveau poste. En bas du lac, c'est quoi? Et on espère que ça sera mieux qu'ici, en tout cas. Et là, on a du boulot. On va essayer de mettre en place au moins le campement avant la nuit. Mais je pense que la pêche, ce sera que pour demain matin. Allez, nous voilà arrivés à la mise à l'eau. On a passé une grosse journée à galérer avec ce changement de poste. On est allé reconnaître en queue de lac, on voulait aller en queue de lac. Bon, il y a vraiment plus, enfin, beaucoup moins d'eau sur le barrage par rapport à il y a 2 ans. Donc on est du coup 20 km plus bas au niveau du barrage. Et puis on est parti. On est parti pour quelques jours. On va remonter un petit peu là, 1 km au-dessus. On a repéré une pointe sur Google Maps. On va voir déjà s'il y a du monde. Et on va essayer de s'installer avant la nuit, là on va se dépêcher un peu, on parlera de la conjoncture et des spots demain. Et là on va vite aller s'installer avant la nuit. On les rattrape. On fait à l'électrique pour être un peu plus discret, hein, Lolo. Oui, on fait tout à l'électrique. Et encore, non, on devrait faire à la rame, mais bon. Ce thermique, il m'emmerde un petit peu parce que je vois pas l'écran. Là, on a une bathymétrie qui est à peu près opérationnelle. Là, il y a combien ? 5 mètres d'eau déjà. C'est bizarre, on a attrapé les carpes dans 4 mètres 50. J'ai l'impression que dès qu'on a passé les herbes, c'est assez plat. Ouais. Ça casse pas comme les bordures. Allez, nous sommes bien arrivés sur le poste. Donc, ça, c'est une grande baie de 30 ou 40 hectares à peu près. Sacrée baie. Une grosse, grosse baie. En entrée de baie, on a 30 mètres de fond au milieu. Et en fond de baie, on a 3 mètres. Et la particularité, c'est que tout le tour de cette baie est rempli d'herbiers, jusque dans 5 mètres d'eau. Donc, ça fait quand même pas mal de spots à pêcher dans les bordures, dans les taches. On a un petit au fond léger, je ne sais pas si on le pêchera, mais il y a quelque chose au milieu peut-être à peaufiner demain.
On a une marche dans l'entrée de la baie, dans une pointe, dans 10 mètres d'eau qu'on va essayer de pêcher. Ouais, qui va être brassé par le vent. Ouais, ça va être brassé par le vent aussi. Dans les prochains jours, parce que ça va tourner et ça va souffler, donc ça va être pas trop trop mal. Ouais. Donc on va commencer comme ça et puis on verra, on va s'adapter au fur et à mesure si on a des touches, si on a des indices. Ça a l'air propre. Allez, vas-y, fais péter. Hop, hop. Pas plus, pas plus. Il a monté le moteur. Attends, je vais y faire un check, hein. Je vais relever une fois. Alors, nous voilà arrivés sur le second poste, donc topographie complètement différente. On est plus du côté du barrage, donc des fonds bien plus profonds, des baies qui vont jusqu'à 20 mètres de profondeur. Et on est venu ici parce que les carpes ont bougé. Donc on s'est dit on va monter un peu plus haut sur le lac et en fait il n'y avait aucun signe d'activité, donc on est descendu complètement à l'opposé, là où il y a un peu plus de profondeur et où est-ce que les carpes pouvaient se tenir assez régulièrement à l'automne voire l'hiver. Ensuite, on a choisi cette baie en particulier car elle est tout autour de cette baie, il y a des herbiers sur les bordures jusqu'à 5 mètres d'eau et ça paraissait très prometteur car en fait en arrivant on a vu qu'il y avait beaucoup d'écrevisses à l'intérieur de ces herbiers, donc on s'est dit de la nourriture naturelle et donc que les poissons pouvaient s'y tenir comme une zone de tenue à cette période de l'année. C'est une baie d'environ une trentaine d'hectares, il y a 500 mètres à notre droite, 200 mètres à notre gauche. Sur une largeur de 500 mètres, donc c'est quand même assez vaste. Donc il peut y avoir du poisson qui rentre, qui sort et qui transite par cet endroit. Donc il y a tous les jours de la possibilité de prendre du poisson. Au niveau du placement des lignes, on va commencer par pêcher du coup sur les bordures d'herbier. Voir à l'intérieur si c'est possible. On va essayer de poser les lignes stratégiquement, du style à ne pas surcharger la zone, mais en même temps à pêcher tous les points d'accès, on va dire les entrées de baie. Il y a deux entrées, donc il y a deux pointes qu'on va pêcher. On va forcément pêcher tout au fond de la baie et on va pêcher des renfoncements et des micro-pointes qu'il y a à l'intérieur de cette baie pour, on va dire, couper tous les axes de passage potentiels des carpes. Donc quelques heures après avoir posé les lignes sur ce nouveau poste, on a eu rapidement la première touche. Goulet 2,50 m d'eau, au ras des herbes. C'est vraiment la canne qui était dans un peu profond. Ouais.
Et c'était quand même, on s'y attendait pas du tout, donc c'était on était assez surpris, assez soulagé aussi d'avoir ce premier élément déclencheur. Et dès qu'on est arrivé sur le poisson, elle nous a livré tout de suite un gros combat avec un poisson voilà, qui avait un gabarit un peu plus gros que les premiers poissons qu'on avait attrapés un peu plus haut sur le lac. Et ça nous a donné de suite des sensations où on s'est dit, putain, voilà, on est sur la bonne zone, les gros poissons sont là, on va pouvoir enfin toucher un joli poisson. Yes, un bon poisson et changement de poste payant avec une belle commune là de 15+. Parfait, on va lui faire rejoindre son élément. Au niveau des montages et des appâts, on a vu sur le premier poste que les carpes répondaient pas mal à la Tiger. Donc pour l'instant, on va re-attaquer sur de la Tiger en appât, en hêche et en amorçage. Au niveau des bas de ligne et des montages, on va rien changer. On sait que ça marche et notre montage, on va dire classique, donc on sait que ça marche dans toutes les situations. La seule chose qu'on va faire, c'est on va voir si on met des bouées qui relèvent les lignes ou pas, en fonction des herbes, en fonction des obstacles. Ça, on verra sur le moment, une fois qu'on aura placé les lignes. Donc voilà. On va affiner la dernière canne. On va la poser dans un renfoncement en fait rempli d'herbier, et là on va utiliser la caméra de l'éco-sondeur pour la poser à l'intérieur carrément des herbiers, parce qu'on a remarqué que c'est des herbiers qui sont pas très denses et que les poissons nagent sûrement à l'intérieur. Du coup, on va essayer de poser à l'intérieur, et grâce à la caméra on va être très précis et voir que si notre montage n'est pas accroché dans une herbe et qu'il pêche proprement. On va mettre les flotteurs, Juju. Si tu veux. Là, c'est déjà un peu retourné. Donc hier, en arrivant dans cette grande zone, sur cette baie où on s'est installé, on a vu rapidement qu'il y avait des herbiers tout autour. Donc de 1 mètre à 5 mètres de profondeur. Et par habitude, bon, on a posé un peu précipitamment devant ces herbiers. Et on a bien vu aujourd'hui à la caméra que c'était pas là où forcément se passait la vie sous l'eau. Comme on le voit à la caméra, c'est tout noir avec un dépôt. Il n'y a pas forcément de fouille, c'est pas retourné, c'est pas blanc comme on a l'habitude de voir. Et donc on va se diriger dans les herbiers cette fois-ci. On va voir, comme vous le disait Julien, ils sont pas denses, c'est plus des herbiers filamenteux à la verticale et où il est clairement facile de poser des cannes et que ça soit plus pêchant et là où il y a de la vie. Donc ça devrait être prometteur pour ces prochains jours. Le montage qui va pêcher à l'intérieur des herbiers, qui va permettre de surélever la ligne qui passe au-dessus des herbes, et ça... C'est très discret parce que les poissons, on a l'impression que ce fil qui remonte à la verticale, c'est comme si c'était un herbier filamenteux.
Donc aucun inconvénient, que des avantages. Vas-y, par là. Ouais. Regarde, si c'est parfait. Impeccable, ça, ça pêche. Vas-y, tu le vois. Voilà, t'es parfait. Oh yes. Je descends là. Ouais. Tu fais le tour avec le bateau, je vous attends. Avec. On va mettre un piquet en téléphérique. Parce que le Rodpod il est un peu dans la sur la pointe et on a une petite pointe en caillou là et on n'a pas envie que la bannière frotte dessus, donc on va mettre un petit téléphérique avec un piqué et un petit V. Bon, maintenant qu'on a tout fini, on va aller se faire quelques cendres, on va prendre le bateau, les petites cannes à carnassier et on va essayer de faire un peu de vertical, un peu de linéaire et on va essayer de prendre 2-3 cendres avant la nuit. Ça va être un carnage d'ailleurs. On est trop chaud. Regarde-le sprinter. Tel un homme de Cro-Magnon qui va chasser son mammouth. Regarde-le avec sa lance. Laisse comme ça. Allez. Ouais, tu peux. Putain, je l'ai pas ferré. Non, c'est vrai. Oui. Il y en a quelques-uns ici. Lolo, on a pris 2-3 touches d'affilée. Lolo, il a du mal avec les ferrages. Du mal tout court. Ça c'est plaisant. Il a l'air joli en plus. Ah, après toi t'as la petite canne. Deuxième petit cendre. On va continuer avant la nuit. Yeah bro. Ça y est, ça fait maintenant 2 journées pleines qu'on est sur ce deuxième poste en bas de lac. On a enregistré qu'une seule touche, malgré qu'hier on ait replacé toutes les cannes pile poil avec les caméras, l'éco-sondeur avec toute la bathymétrie générale de cette grande baie. Les cannes, on les avait quand même étalées et échelonnées de 9 mètres de profondeur jusqu'à 2 mètres au ras des herbiers, voire dans les herbiers même, là où c'était le plus propre. Et bon, ça n'a pas été prolifique. Ouais, ça n'a pas été prolifique. On s'est adapté en fonction de cette première touche à essayer de construire notre pêche autour de ça et des informations qu'on avait eues. Et ça n'a pas eu l'effet escompté. Donc bon, aujourd'hui, c'est entrecoupé d'averses. Donc on va continuer encore comme ça pendant 24 heures. Et ensuite, s'il n'y a pas de résultat, je pense qu'on va encore à nouveau changer de place sur le lac. On a repéré une ou deux pointes qui paraissent pas trop mal, un peu brassées par le vent. Donc on va essayer ça par la suite si ici ça se déclenche pas plus. Vas-y, grimpe. Hein ? Ça y est toujours ? Bah, je sais pas. Vas-y, vas-y, monte, on va voir. Tu la veux ? Vas-y, vas-y, vas-y. Ça fait bien encore. Hein ? Ça fait bien encore.
19 avec le tapis. 17 et demi et 18. C'est pas mal. Pas mal. C'est même très bien. Ouf. Comment finir en beauté sur ce spot? Deux beaux poissons de 18 quasiment les deux. Ouais. Une 18, une 17 et demi. On avait pris la décision de changer de poste hier. Donc on a tout plié quand même, on file et on va dans un secteur qui abrite encore plus gros. Allez, c'est parti, on les remet et on trace. Allez, yes. On change de poste maintenant, go. L'objectif de ces changements de poste, c'est de vraiment trouver les poissons parce que toutes les zones se ressemblent plus ou moins. C'est très découpé avec beaucoup de pointes, beaucoup de baies un peu partout et les poissons se déplacent en bande. Donc si on trouve les poissons, le spot sera bon. Tous les spots sont potentiellement bons, sauf s'il n'y a pas les poissons. Donc en gros, l'objectif premier, c'est de trouver les poissons avant de trouver vraiment une place qui dénote des autres parce qu'elles sont toutes similaires. Pas à la clé de ça faire un ouais. Joli sujet. Ouais. Ouais, parce que les grosses on les fera je pense que si on enchaîne beaucoup de poissons. Ouais. Troisième changement de poste de la semaine. Ça commence à tirer sur le physique et le moral quand même. Ouais, on a fait quelques poissons mais on tente un coup de poker, on va essayer d'attraper des grosses maintenant. On va sur un secteur où il y a des beaux poissons. Donc on rebouge une dernière fois. Où les gros bancs de poissons arrivent dans les secteurs où il y a des sédentaires qui ne bougent pas et ça met une concurrence alimentaire qui fait que potentiellement... ces poissons-là sont bons à prendre ces à ce poissons, moment-là. Voilà, ouais, ces poissons sédentaires sont bons à prendre sur ces secteurs quand... Quand il y a du monde. Quand il y a du monde et qu'il y a de l'activité. C'est ça. Changement de poste une dernière fois, là on va dans un secteur où il y a des très très grosses, on espère en tout cas, donc on va essayer de faire un maximum de touches là où il y a les grosses pour essayer de prendre un beau poisson. Ça y est, on vient d'arriver, on a fini de s'installer, tout le gros du matériel. Puis là, on est vraiment impatient d'aller découvrir cette nouvelle zone, elle est vachement ouverte. Et on est impatient d'aller donc du coup faire cette petite bathymétrie et de sonder un peu tout ça. Voir s'il y a des plateaux, des cassures, des marches, un peu tout ça. On va partir déjà sur la pointe de droite, direction la pointe de droite. Et après, on va faire des allers-retours en... Un peu comme en zigzag pour établir la bathymétrie avec l'éco-sondeur. Et à la suite de ça, quand on reviendra au bord à la fin de notre bathymétrie, on va vraiment choisir par rapport à tout ce qu'on a vu, placer nos 8 points GPS. Et à la suite de ça, on ira poser les cannes en sondant un peu plus spécifiquement le point qu'on aura choisi. Donc on va leur proposer des tiger nuts pour faire du nombre et des bouillettes pour si possible prendre un gros poisson.
Ouais, alors on a fait la bathymétrie. On a découvert qu'il y a un prolongement de pointe qui forme un plateau à environ quoi, 180 mètres. Ouais, un peu moins. Et en regardant l'eau, j'ai vu un poisson monter, donc je pense que c'était à peu près dans cette zone-là. On a mis des points GPS grâce à la bathymétrie, on va aller poser des cannes, ressonder un peu avant quand même. Ouais, on ressonde un petit peu avant et on pose la canne sur les poissons, on espère. Allez, ça y est, on est enfin en place sur ce nouveau poste. Donc, pour le coup, on a positionné toutes nos cannes sur des spots très précis et en même temps qui nous ont tous réussi sur les autres endroits du lac. Donc, bordure d'herbier, plateau et cassure. On a un poste vraiment très ouvert et on a vu surtout du poisson bouger. Ouais, donc niveau confiance, c'est sûr que ça. On est bien plus confiant que sur le poste d'avant. Ouais, ça c'est clair. On a galéré un petit peu à poser une canne tout à l'heure, mais bon, fallait la poser parce que dans le vent, elle était bien brassée par le vent et c'était une belle bordure prometteuse à la caméra du moins. Carrément. Et puis de voir du poisson s'activer sur la zone, c'est sûr que c'est bien. Ah oui, on a vu un saut, donc on est chaud patate. Maintenant, on va ouvrir une bière pour le match. On va ouvrir une bière pour le match en attendant la touche. Et il n'y a plus qu'à. Allez, y a plus qu'à. Il faut croiser les doigts pour une grosse carpe. La première touche, on était en train de chanter la Marseillaise et on n'a même pas terminé que ben ça a sonné. Donc là on va vite, on attend qu'il s'habille, on va vite se diriger sur le poisson pour essayer de la sortir. Mais bon, ça a l'air de revenir, il n'y a pas trop d'obstacles en plus. Donc c'est pas comme hier. Hein, tu tiens le bordel. Dans le temps, il y a plein d'eau. Hein. Il y a plein d'eau ? Il y a plein d'eau. C'est plein d'eau. Non, il n'y a pas plein d'eau. Il y avait première action d'Mbappé. C'est qu'un début. Par contre, moi, je suis en croque, les copains. Et si c'est une chiquette, on la remet direct. Hein. Ouais. Ça me fait bizarre. Moi, j'ai l'impression que c'est un barbeau ou un poisson chat bizarre, là. Est-ce que ça serait pas un poisson chat bizarre ? C'est vrai que ça. Comme tu veux. Carte aussi. Oh voilà, poisson chat merdique. Bon, alors là, je sais pas qu'est-ce qu'on en fait ça. Voilà. Je l'avais dit que ça vient des parts bizarres à la bouillette là. C'est tombé la même. Oh merde, qu'est-ce qu'on va faire de trop. Qu'est-ce qu'on va faire. Oh, en plus. T'es content de louper le match pour ça, Juju? Non. Vas-y. Oh merde. T'as eu peur? Ah, je l'ai lâché. Désolé. Bravo. Bon, nouvelle espèce au compteur. Un poisson chat espagnol. Allez, on va remettre la canne. Bon, maintenant on va essayer de prendre une carpe. Il y a du fond quand même. Tac, c'est bon. 10 mètres. Nickel, j'ai décalé déjà. J'ai fait le petit truc. C'est bon ? Ouais, tu peux amorcer un petit peu. C'est où ? Là. Tu vois le fil ? Ouais. Un poil plus loin. Super poisson pris au cœur de cette petite tempête. On a pas mal de vent aujourd'hui, on a toutes les bonnes conditions pour faire du poisson. Mais enfin, le premier poisson de la journée est sorti. Et on va vite reposer la canne pour essayer d'en reprendre une avant la nuit.
Là, là, déroule, 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 Matt. On trace, allez, allez. Attends, je mets le gilet, tiens la canne. Peut-être un thermique. Allez, go. Je suis pas sûr. Attends, on est pas des. C'est bon pour toi, Lolo? Ouais. Fais gaffe. Allez, go, go, go! Non, il a calé le con. Allez, c'est parti. Attends, Lolo, doucement, doucement au début. Hop, pas plus, pas plus. Oh non, ça, c'est pas bon du tout. Attends. Ça, c'est de ma faute. Et si on la perd? Il faut passer à la vitesse. Allez. Elle va sur le spot, regarde le repère. Attention, c'est peut-être un peu gaillard. Hein. Ouais, je sais, c'est pour ça que je me méfie. Ouah, ce rush. Je sais pas si c'est vraiment si gros. Ça bouge super vite. C'est pas une grosse, je pense. Petite. Je l'ai vu. Comme une 14. Nickel. Allez. Yes. Bien yes. Dans le vent, c'est pas faster. Voilà. Vas-y, je suis prêt. Parfait, c'est posé, amorçage. Un beau poisson sur le coup du soir. Ouais, dans le vent en plus. Ah, c'était pas de tout repos, mais... Un peu sportif. Mais on a fini par la prendre. Super poisson. Tout en longueur, magnifique. Typique d'Espagne. Bon, ça y est, une bonne partie des vacances est passée. On a quand même fait 3 postes sur ce lac espagnol. On a fait du poisson sur tous les postes. Ouais, c'est déjà une bonne chose. Hein. Sur un 5000 hectares au mois de décembre, c'est déjà pas mal. Hein. On n'a pas trouvé les gros bancs de poisson. On n'a pas croisé le chemin d'un joli sujet non plus. Pour le moment. Pour le moment, il nous reste quelques jours sur ce lac encore. Ouais, Mathéo, lui, s'en va, donc... Il va arrêter de filmer, mais nous, on reste encore quelques jours pour pêcher. Donc, il y a encore des chances qu'on prenne un bon poisson. Enfin, en tout cas, on ne désespère pas, on est là pour ça. Hein. On est là pour ça et on va continuer à persévérer un petit peu dans notre pêche pour essayer de croiser une belle dame. Ouais. Dernier poisson les gars avant de partir. Yes.
petite dernière avant que Mathéo s'en aille. La première de l'après-midi. On espère que ça va s'enchaîner un peu comme hier. Ouais, ça serait bien. Une petite série de 3-4 poissons avant ce soir, ça serait top. Superbe commune. Tout en longueur, prise dans 8 mètres. 8 mètres d'eau sur le plateau là-bas. Sur le plateau dans 8 mètres et sacré combat en plein vent. Belle nageoire. Hein. Très longue. Donc les vacances sont pas terminées, on va essayer de faire encore quelques poissons et vous faire partager ça par la suite. Et à très vite, on espère que cette vidéo vous a plu. Et surtout vous aura fait un peu voyager avec nous en Espagne. En Espagne, ouais. Et on espère l'année prochaine encore dans un autre pays. Superbe commune. Superbe poisson. Enfin un poisson bien plus gros que les autres. Qui passe largement la barre des 20. Ouais. Un poisson tout en longueur, bien sauvage, typique d'ici. On va la remettre bientôt à l'eau en essayant de prendre encore plus gros si possible. Yeah! Superbe commune. Une très très belle commune. En plein après-midi, sur un spot de bordure.